Bon les amis, salut. Là on vient, enfin c'était pas prévu, on a décidé ça tout à l'heure, dans un lieu que vous connaissez très bien, c'est l'épisode 6, le couvent maudit des Ursulines, on n'était pas loin. Putain, ça fait bizarre de revenir ici. Oh là là, ah ouais d'accord, c'est pas comme ça qu'on est venu, nous on pouvait marcher. Putain, ça fait trop bizarre de revenir ici. Bon les amis, là on est perdu, je sais pas où on est. On va aller voir ce bâtiment là, donc c'est une abbaye. Ouais, les bonnes sœurs en fait, elles couchaient avec les curés et en fait pour pas avoir d'enfants, elles enterraient leurs enfants dans le jardin en fait. J'imaginais pas en fait quand en créant une chaîne comme ça que ça qu'il y aura autant de soutien et tout et autant de belles rencontres comme ça. Voilà. De gens passionnés et tout, je suis désolé. Je suis désolé, je voulais pas pleurer. Je voulais pas pleurer, je suis désolé. Bon les amis, salut. On vient pas de se lever, on s'est levé et on a fait de la route. Là, on vient, enfin c'était pas prévu, on a décidé ça tout à l'heure, dans un lieu que vous connaissez très bien, c'est l'épisode 6, le couvent maudit des Ursulines, on n'était pas loin. Donc du coup là on s'est garé, on va y aller, il est un peu plus loin et ça me fait trop plaisir de revenir ici parce que bah, depuis l'épisode 6 on n'était pas revenu et je voulais revenir dans ce lieu. Alors je sais pas dans quel état il est depuis, on va voir ça. On a emmené un peu de matériel, on va voir ça, c'est parti, on y va. Ouais, c'était épisode 6. Et ben. Mais alors l'accès maintenant il est hyper compliqué. Hein. C'est pas du tout le même accès que quand on était venu pour faire l'épisode. Voilà. Putain, ça fait bizarre de revenir ici. Elle est énorme. Putain. Bah on peut rentrer par là. Hein. Ouais là c'est la chapelle. Oh là là. Bon Mel, c'était juste pour dire que je suis dans un. Mel, je t'ai fait ce snap, c'est juste pour dire que je suis dans un lieu. Ici on a vu des PVE de ouf. D'accord. Des PVE de ouf, ça avait dit sœur comme ça. Et en fait, c'est un lieu. C'est un couvent en fait, et c'est. On pourra y aller ensemble si tu veux. Putain, ça fait trop bizarre de revenir ici. Hein. La chapelle. Ah, ça fait trop bizarre. Ouais, donc là, il me semble qu'au rez-de-chaussée, il n'y a pas trop d'intérêt. Ouais, ici, c'est bien réputanté. Putain, ça brûle. C'est réputanté. Ouais, c'est réputanté, ouais. Ah ouais, putain, ça a bien brûlé, là. Ouais, c'est chaud. Ah, c'est hyper dangereux. Bon, en fait, l'histoire ici, c'est qu'en gros, donc il y avait des sœurs, elles sont toutes mortes du choléra. Ouais. Et après, ça a été transformé en centre de colonie de vacances. Et le moniteur, il aurait tué tous les enfants au grenier. Ah ouais. Il y a trop de trucs à visiter. On va monter. Mmh.
que ce que ça l'était quand t'es venu faire. Ouais. Oui. Bah c'était déjà pas mal dégradé, mais bon ouais, ça allait un peu plus quand même. Bon, on va monter, par contre, faut faire hyper bien. Faire en quoi là? Edge. Putain, ouais, le sol là. Ouais, faites bien sûr le sol. Putain, c'est chaud. Bah, du coup, on a sorti le K2 hein, au cas où. Ah ouais, bah là tu vois, il reste un lit. Ouais, le sol en bon état. Ouais. C'est pour. Comment ça s'appelle? C'est pour le grand gilet, il va faire une. Il va dormir là. S'il y a quelqu'un avec nous ici, n'hésitez pas à me suivre avec l'appareil que j'ai dans la main, n'hésitez pas à vous en approcher pour déclencher. Pas de déclenchement d'appareil, non. On a eu juste des PVE, des voix quoi. Elles étaient hyper claires les voix aussi. Hein. Putain, ils ont tout cassé là. Hein. Ah ouais. Là, c'est oula là, c'est ici, ouais. Oh là là, mais je crois que c'est là hein, qui est. Oh là là, ah ouais, d'accord. C'est pas comme ça qu'on est venu nous, on pouvait marcher. C'est super. Oh ça s'est tout effondré quoi. Ben là, à mon avis, c'est là que le mec il a fait le. Il est passé à traverser. Waouh. Super attention, tu mets les. Non, on y va pas là, t'es ouf. Mets-toi au milieu là. Au milieu, au niveau de la charpente. Là, la charpente au milieu. Là, c'est mur en pierre, je crois que c'est le mur porteur. Tu mets là, tout le plus long. Non, mais Nance. C'est. T'es. Putain. Non, là, c'est le mur en pierre. C'est dur, ouais, mais bon. Ouais. Ah ouais, c'était bien. Ça a bien brûlé. Putain, ouais. Ah, mais en fait, c'est parce qu'ils ont mis le feu. C'est parce que je pense qu'ils ont mis le feu. Hein, c'est ça. Obligé. Putain. Tu peux pas. Mais il en faut quand même pour faire un feu pareil. Vous avez pas eu de bruit ni rien, Si, on avait eu quelques bruits, mais des PVE de ouf. Ah, mais ouais, en fait, ils ont. Il y a un truc que je comprends pas. Il y a aucune trace de. J'ai l'impression qu'ils ont mis le feu en fait, mais juste dans cette pièce là et c'est monté ici. Ouais, c'est ça, ça. Moi je pense que. Parce que ouais, je vois aucune trace de. Putain, c'est chaud, putain. Ah ouais, c'est chaud. Non, mais il faut une info pour faire comme il y a. Parce que vu l'épaisseur en plus, tu regardes là, et ouais. Là, ils ont pas fait un petit feu. C'est clair. Ah ouais. Oh con là, putain, chaud. C'est quoi là, c'est toi. Putain, ouais, c'est ouf. Ah oh, il est mort le truc. Putain là aussi. C'est quoi? Oh là là, ouais non mais c'est chaud. Quoi? Ouais mais non, fais gaffe parce que là-bas, je te jure, ils avaient mis des planches et tout déjà à l'époque où on y était. Hein. Ouais, il y a un escalier, mais on peut y aller par l'autre côté là-bas. De partout. Ils ont fait comme des fous ici. Y'a quoi? Y'a des vides de partout. Ouais. Bon, là, je suis un peu moins sur un bord. Ouais, non, là. Là, vu comment il est rentré et tout. Grave. Ouais, ça devient une ruine. C'est dommage, hein, franchement. On dirait que c'est de la pierre, mais en fait, non, c'est que du bois. Ouais, c'est du bois. Hein. Que du bois, le bordel. C'est dommage, hein, quand même, parce que c'est un lieu bien. Ouais, ouais. Donc, ça va, ensemble, mis à part les feux qui ont été tués, il y a un peu potable. Oui, oui, oui. Là, ce côté-là, ça va. Hein. Ça va. Ouais. Ah, ouais, c'était pas mal aussi, ouais, cet escalier. Oui, là, on est allé. C'est ah, oui, c'est où le lit là-bas. Ouais. Ah, mais tu peux encore monter. Ouais, il y a le grenier, c'est le grenier en haut. Ah ben là c'est un peu en meilleur état. Ah mais oui, t'as dit en plus qu'il y avait des.
Des colos qui montent. Ouais, c'est ça, bah, c'est les lits en fait. Les lits là en bas, ouais. C'est une terre. Ici, déjà, c'est un peu plus propre. Putain, mais ils ont tout cassé quoi. Il y a les briques et tout. Ah, oui, c'était les murs. Ah, c'est vraiment dommage que ça soit. Ouais, le truc il tremble là, je le sens. Ouais, c'est les cailloux. C'est chaud hein. Mais vu qu'il y a des cartouches d'Airsoft, je pense que les gars, ils étaient sereins, s'ils sont passés là, sûrement. Toutes les billes qu'il y a, ils ont joué partout, je pense. Il y a du risque, mais pas trop. Même un capot de voiture, le gars, il ramène tout. Ça m'étonne même pas, tu passes à travers, tu fais pas attention. Bah ouais, ouais, c'est ça. Pour autant, on fait gaffe. Nous on fait gaffe, mais il y en a qui font pas gaffe, c'est ça. Moi aussi, bien. J'ai besoin d'être gros, hein. Il suffit que ça soit pourri comme c'est pourri là. Mm. L'eau elle a imbibé le bois. Et... C'est ça. Ah franchement c'est trop bien quand il y avait les lits, tu vois, c'était comme ça avec le matelas et tout. Ouais, voilà. Au bord des fenêtres et tout, ça fait bien. Ça fait bizarre, je pense. Il faut des lits partout. Ouais. Ah, elle, ça va encore. Ouais, c'est bien. On n'était pas venu. On n'était pas venu là quand on avait fait l'épisode. Ouais. Dans celle-là. Là, c'est la maison de Vianney. Ouais, on pourra y aller après. Ouais, c'est. Ça a l'air bien, non ? Ouais. Ouais, c'est ça, c'est celle-là. Et bah attends, on va aller au grenier, mais par contre au grenier il faut juste rester en haut des escaliers parce que ça craint. Ouais, mais t'inquiète, je te suis. Tu connais un peu le truc. Je vais pas m'aventurer si c'est. Bah c'est là. Par contre je sais pas si. Il y a un trou dessous. Ouais, je sais pas. Non, y'a pas de trou. Y'a pas de trou. Non, je sais pas, t'es accumulé. Craquer ou tu vois que c'est un peu pourri. Bon, c'est bon, je pense. Voilà. Ouais, il y a plein de trous dans la voiture. Ouais, il y a plein de trous. Et en fait, il fait. Tu vois, ça fait tout là-bas. Ouais. Ça va tout là-bas et tout. Ça fait tout le bâtiment. Ah ouais, putain, c'est. Et apparemment, c'est ici, du coup, qu'ils auraient été tués. D'accord. Ouais, il y a des trous. Ouais, il y a des trous. Ouais, non. Faut pas prendre de. Ouais, c'est super grand. Ouais, c'est grand. Ça fait tout le bâtiment en fait. Là, il y avait quoi quand le JD. Je sais même pas s'il va en JD passer ici. Non, je crois pas qu'il allait dedans. Et là, c'est là où il était dense tout à l'heure. Ah oui, d'accord, ça retombe de l'autre côté. Ouais. Ah, et tu peux encore redescendre. Ouais, là, ça donne. Ouais, d'accord, ça redonne en haut. Ouais. Putain, c'est moche, ils ont tout cassé là. Ah, ouais, putain, merde. C'est sympa ça. Pourtant, ouais, quand on était venu, par contre, ils y étaient encore.
Ça change de l'hôpital. Ouais. L'hôpital, il commence à en bon état, ça. Ouais, c'est clair. Il y a plein de trucs de partout. Ça. Et ouais, ici, ça commence à devenir une ruine. Plus si l'eau s'infiltre, il y a moyen qu'il y ait des étages qui tombent. C'est ça. Ouais, ça c'était là où il se lavait les mains et tout. Oh, il y en a une hôpital. Hein. C'est quoi? Je sais pas si c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a de concert en plus dans le sol? Ok. Quoi? Quoi? Ah. Il y a pas une voix? Ah non, je sais pas. Si, je crois que non, c'est pas grave. Je sais pas. Ouais, non, là c'était beau, hein. Bah, ça devait être encore plus beau quand c'était en état, mais. Le temps, ça. La baignoire. Ouais, là c'est vide. Hein? Ouais. Yeah. Hein? Quoi? Ah ouais? Ouais. Où? Où ça? Tout en haut? Ouais. Dans le grenier? Ouais, dans le grenier. Une fois. Mais genre, c'était vraiment une fois et vite. D'accord. Alors, est-ce que. Ou alors, est-ce que avec Manon, peut-être en faisant ça? Parce qu'il il s'est déclenché, il a sifflé. Et tu vois, il se déclenche pas là. Comme quoi, à l'hôpital. C'est vrai qu'il se déclenche. T'es venu? Bah, nous, ça y est, si on a tout fait là, je crois. Mmh. Il y a la tour de... Ouais, le gardien. Il y a le gardien aussi. Ouais. Tu t'es aventuré là-haut, là, dans le grenier, t'as le fond? Non, j'ai non, pas non, vu. Ouais. Ah ouais, non, il y a trop... Pour ça, c'est... Ouais, c'est tombé. C'est super bon jeu. Mais... En plein milieu de la forêt, ouais. Bon, ça va. Là, je suis pas les deux, en plus. Ouais, c'est balèze. Ça c'est bien, en plus c'est fait. Ça c'est ici, ça c'est le style d'ici. Là. Ah ouais? Tu retrives et tout gonflé. Ah, c'est vrai qu'il est beau le bâtiment. Hein, ouais. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est l'entrée de la. Le château. Et ça c'est sûr, c'est la maison du. Ouais, c'était la maison du gardien. C'est le bordel dedans. Ouais. Mettre le pied sur le matelas après tu... Ouais non mais je vais même pas venir là-bas. Je vais monter je crois direct. Ouais elle paraît grande mais pas du tout. Non non elle est super haute. La maison. Celle-là déjà elle sent meilleure que toi. Ouais. Cette pièce elle est glauque. Elle est pleine de. Une simple chaise en plein milieu d'une pièce, ça change tout. Là. On met la position. Ouais, y'a plus rien. Y'a quoi en haut? On n'était pas allé? Je sais pas, j'ai vu trop de tunnel. Mais je pense qu'il y a trois dans l'escalier, ça passera pas. Ah! Merde. Ah, c'est bon, tu peux monter, toi. Ah ouais? Ouais, c'est bon. Ah ouais? On n'était pas allé. Bah, il y a un match, il y a pas de bordel par terre. Mais après. Pas mal, là. Ah ouais? Ouais. Ouais. Mais il y a des trous, du coup. Ah, c'est la même architecture. Ah oui, oui, c'est pareil. Ouais. Que le courant. C'est sûr. Nous, il n'y avait pas autant de... Il n'y avait pas autant de verdure, là.
Là, c'est le sous-sol. Là. Non. Bah, par contre, ouais, si t'as de quoi éclairer, parce que là. Ouah. À gauche, il y a la croix normalement. Oh ouais, ah putain, ouais, ils l'ont. C'est là ? Ouais, ils l'ont, ouais, mais ils l'ont démonté, elle était bien avant. Oh ouais, oh, c'est chaud. Les gars, c'est posé bien. Ça, mon gars. Ils ont fait une séance de table de Ouija ici, j'en suis sûr. Peut-être. Avec les bougies et tout, j'en suis sûr. Non, je pense surtout que les gars, ils se posent ici. Parce que là, regarde le baril, tu fais un petit feu. La bougie pour ses gueules. Et en fait, là, tu peux remonter dans le... Ouais, ça remonte... What? Ouais, bah au sous-sol, il n'y a que la salle avec la croix, en fait. Là, après, hein. Ouais, là, il y a une salle. Ouais, ils sont sacrément balèzes, les portes. Ouais, grave. Ouais, la porte... Il y a un étage, là? Non, 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 c'est... ça revient au rez-de-chaussée. La maison du diable. Oui, c'est ça, c'est les portes de la maison du diable. Ouais. C'est ça. C'est marqué. Ça revient au courant là? Oui. Ben voilà. Bon, re les amis, là on est perdu, je sais pas où on est. On va aller voir ce bâtiment là, donc c'est une abbaye. Voilà. Donc j'espère qu'on va pas se prendre la pluie parce que là il y a des nuages, il y a du vent. J'ai mis la petite veste là. Donc c'est une abbaye, ouais, ça a l'air hyper bien quoi, franchement. Ça a l'air pas mal. On y va tout de suite, c'est parti, on vous emmène. Faut pas escalader là. Pas du tout. Alors, t'as juste à monter ça. Il y a vraiment des cônes. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, ils ont tout cassé. Encore? Ouais, ils ont tout cassé, ils ont putain, mais il faut vraiment venir exprès pour ça, quoi, parce que c'est pas accessible par une route ou quoi. Ah ouais, là-bas aussi ça s'est bien effondré. Ouais, là-bas. C'est chaud. Ah, c'est sombre dedans. T'as pas ton truc infrarouge toi? Ouais, je vais le mettre. Là? Ouais. Vas-y, mets-le. Non, enfin, c'est un intégré. Ah ouais? Après, il est pas hyper puissant. Donc là, ça devait être la salle de bain, je pense. Et ça, c'est la première abbaye à avoir accepté les femmes en France. Et en fait, à l'époque, les bonnes sœurs, en fait, elles n'avaient pas le droit d'avoir d'enfants. Et du coup, pour pas, elles couchaient avec les curés. Et en fait, pour pas avoir d'enfants, elles enterraient leurs enfants dans le jardin, en fait. Chaud. Donc voilà. Et en fait, ici, j'ai un collègue qui est venu, un ami à moi qui est gendarme, qui a un chien. Et il y a une seule pièce qu'ils arrivent pas à rentrer dedans, le chien n'arrive pas à rentrer dedans non plus, à chaque fois qu'il est dedans, il miaule, il a envie de sortir. Donc on sait pas ce qui va se passer, moi je me sens pas très bien non plus dans cette chambre, donc je vous ferai voir c'est laquelle. Ouais. Et puis pourquoi pas essayer de tenter un truc. Ouais, grave. Et là ça a tout cramé, tu vois. Ouais, c'est bien brûlé. Tout cramé. Bah non, elle a plus. Ça a bien brûlé. Ouais. Mais regarde le plafond. Là, ah ouais, grave, putain. Là, il y a de,
la gueule dans pas très longtemps. Ah ouais, ouais, putain, ouais. Il est bien rentré. Un superbe livre du 20 avril 1969, mon gars. Oh putain. 1969. Ça n'est pas d'aujourd'hui. Ouais. 1969, ouais. Putain, chaud. Ouais. Ouah, quand c'est Koh Lanta, là. Ouais, grave. Oh putain. Pékin Express. Oh putain. C'est bon pour la caméra. Ouais, c'est bon, ça va. Ah. Ah ouais, ouais. Ah, ça doit être la lampe. Ah, t'as une lampe? Ouais, j'ai une lampe, ouais. Ça va, c'est pas trop la forêt. C'est pas trop... Putain. C'est un peu la merde où. Ah putain, ouais. Putain, même là, ça a été détruit. Et la chambre, c'est celle-là, en fait. Je passe, là. Regardez-le. Mais non, attends, bien. Je passe pas. Franchement, j'ai pas envie de niquer ma veste. Attends, je vais l'enlever. Ouais, regarde. Parce qu'il y a la ferraille. Je sais, je suis chiant. Cet homme est déterminé à passer. Bah les couilles. Au pire, j'y vais à poil. Bien mis. Putain, ils peuvent pas faire des entrées simples. Il s'appelle El Guigui. Ah, El Guigui, pardon. Ah ouais, merde. Du coup, hop, voilà. Comment t'as dit? Gianni, non? El Guigui. Tu m'as Gianni. Dit ça. Ça s'appelle Gianni? Gianni. Non, ah. Pas Gianni, Gianni. Voilà, et ça, c'est la chambre où le chien n'arrive pas à entrer et être dedans. D'accord. Là, il y a un crucifix. Mais tu vois, ça, ah ouais, c'est, il y a pas mal de décors. Ils l'ont là. Niqué, putain. Ouais, c'est joli. Ouais, elle est belle la chambre là, hein, putain. Mais putain, c'était plus joli que ça quand on y allait. C'est chiant, ils sont chiants les gens à tout casser. Putain, regarde, regarde, c'est les anciens lits avec de la paille dedans. Tu vois? Ah ouais. Ah ouais, putain. C'est des anciens lits. Ah, il y a le lustre et tout là. Ouais. Ouais, il est vraiment long, lui. Ah ouais, il y a un crucifix. Ouais, elle est belle, cette chambre. Donc, bonjour. Nous sommes ici donc pour voir s'il y a encore quelqu'un ici parmi nous. Donc, savoir s'il y a encore des entités qui sont dans ces murs. Donc, on veut pas vous déranger. On est juste là pour tenter d'établir un contact, s'il y a encore quelqu'un ici. Donc n'hésitez pas à vous joindre à nous, on vous a posé un appareil sur le lit. Donc vous pouvez vous en approcher, le toucher, si vous êtes là, c'est sans danger, donc n'ayez pas peur. On pourra établir un contact avec vous si... Il y a un bruit là, non ? Ouais, mais je pense que c'est le vent. Hein. Non, c'est dehors. Donc on pourra établir un contact si vous le touchez. Ou le cadeau que j'ai dans la main. C'est un détecteur EMF, en fait, quand vous approchez, il va se déclencher. Et voilà, c'est pour nous dire qu'en fait, vous êtes bien avec nous. Donc si vous êtes bien ici, n'hésitez pas à vous en approcher. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici ? Pouvez-vous déclencher un des deux appareils, s'il vous plaît ? Oh non ! C'est la végétation a vraiment repris ses droits là. Non. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça s'est effondré et du coup. Ouah, ça, comment ? Ça a bouché les entrées, mais non ! Et tu vois ?
les lieux des fois. Bah, on peut rentrer quoi, mais. Là, non, là de toute façon, il n'y a pas grand chose. Mais genre, merde. Enfin, si là, il y avait un truc. T'imagines le jour où ça s'effondrait, t'es dessous? Non, ça s'est écroulé quoi. Et là, en fait, c'est ce que je te disais, il y a la grotte. Il y a la grotte. Vous voulez y aller ou pas là, non? Non, là, c'est risqué. Ouais, c'est un peu chaud. Okay. Ouais, bah, je suis dégoûté là. Genre, bien profond. Bon, bah, écoutez, c'est pas grave. Après, là, on peut rentrer là, mais. Ouais, ça s'est bien effondré là. Là, c'est où ils faisaient le vin. Et mais tout. Genre, c'était pas effondré? Ah non, pas du tout. Là, il y avait rien, il y avait absolument rien. Là, d'accord. C'était encore un plafond. D'accord. Ah ouais, là, de base, c'était ouais. Rempli, c'était tout noir. Là, ça vaut le coup d'œil là, quand même. Là, c'était quoi en fait, Nance? Ici, ouais. il faisait sûrement le vin. Ouais, sûrement. Hein. Parce que tu vois, il y a les tonnes de tonneaux et tout, c'est même sûr. Ouais, putain, il est énorme. C'est vrai, il est énorme. Ouais. Tu vois, ça devait être le pressoir à raisin là-bas. Ça. Ouais. C'est pas mal, hein? Ah ouais, ouh, oui, putain. La charpente, elle est bien bouffée. Oh là là, ouais, ça. Là-bas, ça va s'écrouler dans pas, ça va s'écrouler dans pas très longtemps, ouais. Ah ouais. Ah, ça me fait peur, là. Vas-y. Ça peut le faire à n'importe quel moment. C'est ça, exactement. C'est la fameuse voiture où j'ai fait. Où j'ai fait la partie du coup. C'est quoi, cette voiture? La voiture elle est en mauvais état, hein, putain. Surtout qu'il y a le DAS, c'est une voiture pareille. Là il y a un garage avec. J'étais bloqué dans le temps ici. Ce genre de truc c'est des vieilles villes. Ça se voit que c'est vieux quand même. Ouais, ouais, tu vois des villes comme ça. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, vas-y, va regarder avec la caméra. Vas-y. C'est énorme. Un établi et tout. Vieux vélo et tout, la totale. Ah ouais, putain. Là, pareil, regarde le plafond là. Ouais, putain là. Et ouais. C'est limite le tracteur qui va retenir. C'est ça. Ouais. Putain, mais ouais, les murs et tout, ça se voit que c'est hyper vieux. Voilà, un requin poussé derrière. Ouais, il a poussé là-haut là. Ah ouais. Là-bas à droite, ça commence à pousser. Ah ouais, putain, il a poussé carrément dedans. Carrément sur le mur. Hallucinant. Mais ça aussi, c'est pareil, regarde comment il monte. Ça, quand ça va tomber, pareil. Ouais. Ah ouais, grave, putain. Mais je te le prends sur la gueule, moi. Ouais, c'est clair, là, si tu te le prends dans la gueule, laisse tomber. Ouais, donc ça, c'était l'église. Qui n'a plus de toit. Hein. C'est une ruine. Ouais, ça, en vrai, je pense que ça devait avoir grave de la gueule. Putain, ouais, ça devait être beau quand même. Ouais, là, faut voir. Ah, tu veux venir? Non, attends, je vais filmer de là. Ah, tu vois, c'est un truc qui claque. Putain, ouais, ça devait être beau, n'empêche, quand c'était en état. Ah, c'est pas mal. Bon voilà les amis, après cette journée urbex, on est à Buffalo. Les deux c'est bien sûr. Salut. Voilà. Ouais c'est ça. Voilà, donc évidemment on change pas les bonnes habitudes. Entre côtes, sauce au roquefort. Esprit si tu es là, réponds. C'est ça. Ramène-nous un steak. Voilà, vous allez voir, je vais filmer mon plat tout à l'heure. C'est toute ma vie ce restaurant, j'adore. Et toi Nance, tu vas prendre quoi? Alors moi ce sera un triple cheeseburger. Non, je vais prendre pareil, je pense une entrecôte XXXL, sauce roquefort aussi. Ok. Et ouf, je sais pas, j'hésite avec des ribs. Alors écoutez, on mettez en commentaire ce que vous choisirez à ma place, on reviendra. Entrecôte classique ou ribs?
sais pas. Et toi, Gianni, tu vas prendre quoi? Non, repas, je pense. Valeur sûre. Voilà. On connaît. Bah, entre trois entrecôtes, du coup, et moi, ça se refort. Nickel. Je les ai bien conseillés. Voilà, les amis, bon appétit. Tout le monde a été servi. Ouais, moi, j'ai attaqué. Il a attaqué déjà la fin. Voilà, ouais. Yes. Bon app. C'est chiant. C'est chiant. L'urbex, ça creuse. C'est vrai, l'urbex, ça creuse. 3 sauces au Roquefort, évidemment, hein, comme d'hab. Ajoutez Marois Loud. Libérez la crime. Bon ben voilà les amis, le vlog a commencé dans cette voiture, dans ma voiture, et il termine dans cette voiture. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, donc là je viens de laisser Nance et son coloc du coup. On était à Buffalo et je suis parti directement après. Là je re-rentre sur Marseille, donc là je me suis arrêté sur l'air... je crois Montélimar, il me semble, je crois que c'est l'air de Montélimar, pour enregistrer cette petite vidéo. Voilà, donc c'était un week-end de dingue vraiment énorme, on a trop rigolé, on a fait de belles découvertes aussi, on a eu peur, on a rigolé, enfin bref, c'était magique. Je suis toujours hyper dégoûté, surtout là en me retrouvant seul après dans la voiture, après un séjour comme ça, de me retrouver seul, rentrer, tout, de mal boulot et tout, j'ai trop la nostalgie là, je suis trop mal. Du coup, ça m'aide aussi de parler, là. Je suis à deux doigts de pleurer. Ah, mais je m'attache trop vite, moi, aux gens et tout. Et puis, à chaque fois, dès qu'on se fait des séjours et tout, qu'après, on part tout seul de son côté et tout, voilà, c'est pas... Putain, il y a une voiture qui arrive, on va me dire, qu'est-ce qu'il a, celui-là, il parle tout seul. Voilà, en tout cas, j'ai passé un excellent week-end. Franchement, c'est magique ce que m'apporte JRM Paranormal, la chaîne, puisque ça me fait rencontrer des gens vraiment en or, puisque Nance, à la base, c'était un abonné. Et après, on est devenus amis, tout ça, donc... et puis là, c'est la première fois que je le voyais aussi. Donc du coup, franchement, ouais, il me regarde, il doit se dire, il y a un vieux là, il passe, il doit se dire, qu'est-ce qu'il a lui? Il s'est arrêté, il parle à son téléphone normal. Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, cette chaîne m'apporte vraiment plein de trucs positifs, quoi. Voilà, parce que là, du coup, ça m'a permis de rencontrer Nance, on a eu un super bon feeling, on a passé un week-end de dingue, entre la peur, la rigolade et tout, c'est magique, quoi, franchement, de rencontrer des gens comme ça, ça me fait faire de très belles rencontres. Et franchement, voilà, plein de tous les messages de soutien et tout. J'ai pleuré, quoi. Non, mais franchement, voilà, ça me... Voilà. Bref, écoutez, j'imaginais pas, en fait, quand... En créant une chaîne comme ça, que ça... Qu'il y aura autant de soutien et tout. Et autant de belles rencontres comme ça. Voilà. De gens passionnés et tout, je suis désolé. Je voulais pas pleurer. Bref, c'est pas... Bref, tout ça pour dire que voilà, cette chaîne permet de faire des rencontres trop bien. Et voilà. Et là, on vient de sortir aussi l'épisode et tout. Et putain, je veux pas... Il y a une voiture, je veux pas qu'il voit qu'il peut que je pleure. Bref, c'est pas... Et là, on vient de sortir l'épisode, le 12, hein, qui est sorti là, hier. Il y a plein de messages de soutien et tout. Et voilà, ça me fait trop plaisir, je m'attendais pas à ça en fait. En commençant, j'ai même, j'arrive plus à parler, je suis désolé, je vais arrêter la vidéo. Il y en a plein, ils vont se foutre de ma gueule, j'en suis sûr. Mais cette chaîne, elle est sincère en fait, le boulot, il est. C'est vraiment une passion et tout, et c'est hyper sincère et tout. Et voilà, de voir que. Qu'il y a plein de gens qui nous suivent comme ça, qui sont autant passionnés que nous, qui aiment le travail et tout, et là justement de voir en vrai, parce que là, ce que je dis à la base, c'était un abonné et tout, et voilà, c'est dans le contre-norme, il n'y a pas que lui, il y en a plein, et voilà. Bref, j'avais envie de parler sur ça, voilà, désolé, putain, qu'est-ce qu'il a celui-là, arrêtant sa voiture, putain. Bref, on va s'arrêter là, merci à tous en tout cas d'avoir regardé ce vlog, je sais pas si je crois que je vais faire plusieurs parties, parce que on a trop fait de lieu, et il sera encore plus long qu'un épisode paranormal, donc c'est pas le but, voilà, donc je vais faire plusieurs parties je pense. Merci à tous ceux en tout cas qui auront regardé jusqu'au bout et qui auront vu du coup cette fin. Voilà, je suis désolé de c'est peut-être ridicule de pleurer, mais j'avais pas prévu de pleurer en fait. Je voulais faire une conclusion et voilà. Bref. C'est pas grave. En tout cas, merci à tous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et la saison 2 qui arrive. Donc j'espère que ça vous plaira. On va essayer de vous trouver plein de lieux énormes, quoi, en espérant avoir plein de résultats. Voilà, je vais rentrer chez moi à Marseille, ça sera mieux. Il me reste encore 1h30 de route, donc voilà.
je vais y aller. Je vais être prudent sur la route aussi parce que voilà, en plus demain je travaille et tout, faut pas chanter trop tard. Normalement j'arrive à 23h30, là il est 22h10, donc je vais pas tarder plus. En tout cas voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très très vite et merci encore de votre soutien. Et merci surtout aussi à Nance qui m'a accueilli ce week-end chez lui et son coloc aussi. Et c'est franchement, c'était magique comme week-end. Franchement, très très belle rencontre. Voilà. Merci encore à toi Nance et à très très vite. On se reverra, c'est sûr, on se refait ça très vite. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit. Je sais pas quand c'est que vous regardez ce vlog. Et à très très vite sur JRM Paranormal. Merci encore, ciao ciao.